si on ne fait pas ce qu'on aime, on n'existe pas. Tu vois le gars qui te regarde dans le miroir, là? Ouais. Ça, c'est ton pire adversaire. Chaque fois que tu monteras sur un ring, ce sera lui que tu affronteras. C'est vrai quand on boxe, et je crois que c'est aussi vrai dans la vie. D'accord? Au centre culturel et sportif de la jeunesse de Benarus où nous organisons cet événement HAYA, journée sportive pour la jeunesse, avec plus de 500 participants, des associations venues de toute la Tunisie, des clubs sportifs, des collégiens, des lycéens, à la fois des lycées étatiques tunisiens et du réseau d'enseignement français à l'étranger. L'impact des événements comme HAYA est très grand sur les jeunes internes. Alors, quand ils sont âge critique, ils viennent prendre un virage grand, après des kilomètres sur le futur et le rêve qu'ils avaient fait. Et on se retrouve ici pour pouvoir partager notre passion et pouvoir se détacher de nos pensées à travers la danse. Et je trouve ça super de pouvoir partager cette expérience avec plein de gens pour pouvoir créer de nouveaux liens sociaux et pouvoir montrer notre passion. Nous avons eu le plaisir et l'honneur d'être invités pour cette journée splendide intitulée HAYA. Et nous avons proposé, durant cette journée, une petite présentation et un atelier judo à tous les participants. Voilà, nous avons un programme très riche, très chargé, en extérieur, en intérieur, avec à la fois des sports collectifs, du basket, du foot, du skate, du roller, de la boxe, du judo, du karaté, de la danse, du break, du hip-hop, vraiment, et sans oublier les disciplines paralympiques, le handisport, puisque nous avons une démonstration de boccia et de goalball. J'en oublie sans doute énormément de disciplines à l'image des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques de Paris 2024 que nous voulons célébrer à l'occasion de cette journée, en même temps que d'organiser une grande fête pour tous les jeunes de Benarus et de Tunisie. L'هدف نتاعنا ديما انه نشجعوا الصغيرات الشباب مختلف الشرائح العمريه على انهم يمارسوا الرياضه لصحتهم، الرياضه للثقافه، والرياضه ايضا للتعريف بالالعاب الاولمبيه باريس 2024.